Bonjour à tous et bienvenue pour ce sixième épisode de ma campagne avec Inquisitor Martyr. Alors, j'ai une curieuse impression, donc on va continuer, mais j'ai l'impression que je fais de la chasse à l'XP là. Donc, je suis toujours au-dessus. J'ai réussi à éloigner la majorité des bêtes sauvages, l'extraction à l'occasion de technoprète, mais elle a rapidement été acculée dans l'une des réserves. Elle a besoin de mon assistance immédiate. Donc les rebelles, les armes, donc ça on connaît. Le VIP se cache derrière une porte blindée, mais l'ennemi tente d'entrer. Vous devez l'atteindre à temps et ensuite l'escorter jusqu'à la sécurité. Ok. Donc les bêtes sauvages, on est chez eux. Bon, peut-être que je me fais une raison, hein, c'est la quête de campagne. Ça m'a donné un sentiment bizarre en fait, mais bon, peut-être que je me trompe. Sensory stimuli link has been established. Subject in severe distress identified. Hostiles are attempting forced entry to the vault where subject is located. Okay. Vault integrity compromised. Termination is imminent without inquisitorial assistance. Ok. C'est quoi ce truc que je vois à chaque fois? Ah! Ok, ça donne des buffs. Alors on va ouvrir ça du coup. Yeah.
Il cogne comme un sourd lui hein. Ouais, j'ai encore des problèmes avec ce putain de F. Ok, il y a un coffre ici. Ah, j'ai plus mon jetpack. Électrofragments, je sais même pas ce que c'est. Ok. Objective met. Transport the specimen to the marked coordinates for evacuation. Tech priest seems beyond repair. Switching. Language module. From Cant Mechanicus to Gothic. Apologies, Inquisitor. Proceed. Thank the Emperor. I've come for you. I'll explain everything later. Now, let's get out of here. Attends, alors déjà on va regarder ce qu'il y a là. Ok, il me suit, c'est la bonne nouvelle. Il y avait autre chose ici? Non, c'est le mec qui vient avec moi, ok. Donc on va partir à droite, exploiter jusqu'au point d'extraction. Allez, venez tous. Ouais, j'ai tout le monde avec moi en fait. Kill the heretic. For the Emperor. Molotov. Oh, y a un chef là, attention. Faut que je l'aide aussi, quelque part.
Die, unclean! I said charge! Repent! Complete. Subject retrieved in adequate condition. A most unlikely achievement. End of log. Sympa. Sympa, sympa. Bon, j'ai retrouvé ma touche de bouclier qui est quand même bien pratique quand ça chauffe. Donc toujours niveau 7. Bah là il va falloir regarder quand même. Ça je pense pas que ça va me plaire. Mission accomplie, le technoprète de l'expédition réquisitionnaire Epsilon 26, l'artificier Omicron Arc, a été sauvé et attend le débriefing. Il sera sûrement prêt à partager des informations sur les liens sur le seigneur Clusterheim et sur le seigneur inquisiteur lui-même. Alors pour info, Clusterheim il a engagé en fait les bêtes sauvages. Donc c'est... ces pirates, ces mercenaires là. Nouvelle complication, le reste des bêtes sauvages, les déserteurs qui ont suivi le faux signal de 13 revient au repère. Je dois m'occuper d'eux maintenant. Ok, alors, on va déjà vérifier ce qu'on a. Donc champ de force. Bon, écoutez, je vais prendre celui-là. Alors ça, je saurais pas dire ce qu'est le mieux. Je pense que la régénération de PV est mieux. L'épée... Ah... Non, c'est une épée à deux mains, ça. Ok, on va regarder la hache tout de suite. Eh ben, elle est pas mal, cette hache, dites-moi. Ça, on s'en fout. Ça, on va quand même regarder avec notre épée. Ouais. Tronçonneuse. Non, 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 on va pas prendre ça. On va garder notre arme, tant pis. On va vendre ça. Alors ça, j'ai pas regardé. De toute façon, c'est pas une armure qui me plaît. Donc on va vendre celui-là. Je pense qu'on va vendre ça aussi. Alors, est-ce qu'on a des trucs qui nous plairaient ici? Ben ça, c'est mieux. C'est clair et net. En objet vert, est-ce qu'on a autre chose? Sur les armures. Non, j'ai encore mieux. Moins 16% de rechargement de l'inoculateur, moins plus 11% de durée des effets de l'inoculateur. Ok, ça améliore vraiment l'inoculateur. Ouais, mais je vais pas dépenser d'argent pour l'instant. Eh ben écoutez, on va enchaîner de toute façon. Donc on continue. Oula. Mission prioritaire. Le reste de la bande des bêtes sauvages est de retour. Ils sont effectivement très agités. Je dois rester ferme et éradiquer ce qui reste de ses opposants à l'Imperium avant qu'ils ne puissent poursuivre leur activité subversive. Donc c'est toujours la même chose. Votre tâche est à protéger un atout important contre de multiples vagues ennemies. Vous aurez le commandement de certains soldats et vous recevrez de diverses ressources, sentinelles, champs de mines parmi les vagues. La mission se termine si l'actif protégé est détruit ou si le temps de la mission est fini. Ah,
L'actif, ça doit être le technoprate, j'imagine. Accorde la possibilité d'appeler en renfort une sentinelle avancée deux fois au cours de la mission. Je vais peut-être pas faire ça, moi j'ai pas des crédits, je vais quand même pas... Ah, on pourrait faire ça. Non. Accorde la possibilité d'appeler en renfort une sentinelle. Non. On va faire comme ça. Donc attention, il faut protéger la cible. La dernière fois que j'ai fait ça, c'était un container, ça s'est pas forcément bien passé. Alors, il faut bien que je repère comment on pose les mines ou les tourelles, puisque visiblement, je vais peut-être avoir encore des mines à poser. Oula. There is no greater test to one's metal than a fight against overwhelming odds. Hold the perimeter. Face the onslaught wave after wave with everything you have. If you die, Inquisitor, die a good death. Thorn out. C'est où que ça va apparaître, j'en sais rien moi. Ah non, c'est ça que je dois protéger, je pense. Ah si, ça arrive de là. Oh putain. Alors ce que je comprends pas, c'est qui je protège. Est-ce que ça peut attaquer d'un autre côté ou pas? Ça peut arriver d'un autre côté. J'en sais rien du tout. Alors je pensais que c'était le... Non, le technoprate, je l'ai peut-être déjà récupéré en fait. Non, mais ça a l'air fermé ici. Ok. Il y a une vague ici. Reviennent là parce que s'ils attaquent par... Allez, on va se mettre un petit bouclier. Ok, ça arrive là. Bien ce qui me semblait. The filth lays where it belongs, butchered and beaten. Prepare for the next wave. On va en mettre un ici du coup. C'est ça que je dois protéger, je pense.
je me méfie pas. Ça a l'air d'aller un peu. Si ça attaque là-bas, putain de merde. Putain! Die, unclean! Ça vient là. Il en reste plein en fait. On a fini. Alors c'est bizarre, j'étais persuadé que c'est le technoprêtre que j'aurais protégé, mais non. Bon bah j'ai progressé par rapport à la dernière fois, mais effectivement faut faire gaffe, les trucs ils arrivent pas tous du même côté, donc encore un bouclier, deux boucliers. Ah, une hache bleue, mais enfin je pense pas que ce soit ce qu'il me faut. Alors c'est des missions très très courtes, donc je vais peut-être en faire d'autres. Statut de la mission. Ok. Donc, ancien technologique 1, ça va être très compatif. Son obsession pour l'héritage du Terre Tiberius, son désir de justice soit fait pour l'instruction de son sanctuaire. Ok. Ok, j'ai éliminé les bêtes sauvages et mis fin à leur activité contre l'Imperium. Bon. C'est une autre récompense, dites donc. Alors je sais pas pourquoi il y a eu ça, mais bon. Alors il y a du violet, mais pas dans les armes que j'utilise, hélas. Bon, c'est pas grave, on va regarder ça. Voilà. Donc, on va commencer par l'âge. Non, on va la vendre. Ça, on va vendre aussi. Ça, on va vendre aussi. Ah, vous voyez. On va prendre ça. Ça, on vend. Ça, on vend. Ça, on vend. Ça, on vend. Ça, c'est une grande hache. On va vendre aussi. Alors, le champ de force ça me semble trop important, je vais garder mon champ de force. Putain, ça m'énerve ce truc là. Qu'est-ce qu'on a ici? Non, je vais garder celui que j'ai. Alors, renforce. La qualité est meilleure. Critique. Non, je vais quand même garder ce budget. Bon, je vais vendre tout ça. Inquisitor, ah. You have a message from the Caligari Conclave. Eh ben, avec plaisir. I am Inquisitor Helena Goslar, and I have an assignment for you.
I am aware that you are conducting a highly classified investigation for the Conclave at the moment, although I must admit I don't know any further details. To my utter amazement, my clearance was deemed insufficient to access your records. In other words, I can't command you to abandon your main investigation, but the Conclave would appreciate if you could take another case as well. Travel to the Hive world of Aetheon Prime and look into the case of the mass disappearances that has baffled the Adeptus Arbitus. In case you are wondering why you are tasked with such a trivial issue, I want you to watch a highly confidential Pict recording. It was made by an infiltrator of the Inquisition. And, as you will see, it proves the existence of some unholy machinations on Aetheon Prime. I must also add that this recording was made 30 standard years ago. I hope I have your interest now, Inquisitor. The Emperor protects. Ah, d'accord. Maison Corps. Ah, ah, Marines du Chaos. Oula, mais on dirait des Marines du Chaos de différentes obédiences. Hein. Ça serait bien Korn. C'est bizarre, hein. Ok. Ah tiens, le voilà lui. As I've already explained, I must find the martyr, and I think you can help me. Correct. I am a grade 5 techno-archaeologist, researching relics tied to the martyr, and an archivist of the unverified existence of Uther Tiberius. Did you help Klosterheim find the martyr? We supplied the Inquisitor with the artifact allegedly crafted by Uther Tiberius, codename Uther's Tarot. It is a psychoactive set of cards. I can grant you access to my Scriptorium subroutines for more information. So, Klosterheim has this Uther's Tarot, which led him to the martyr. How will this help me? According to current research, Uther Tiberius gave sets of this tarot to his acolytes to enable communication through visions for the advancement of his grand plan. And if I had another set of these mysterious artifacts, I could contact Klosterheim and find the martyr, right? Only one remaining set is known to exist. Location: Vault Zeta 11. Jurisdiction: Adeptus Mechanicus. Current status: complete lockdown. Reasons: classified. Location coordinates are being exloaded to your navigator as we speak. I'm going to investigate the place. You stay on my ship until then. Acknowledged. Triggering mind cleansing sounds, type 3.43. Standing by. Ok, ok. Je vais vendre ça donc. Ok. Ça va être reset. Ah là, bah écoutez, on va regarder ça alors, en détail. Hein. Dans 12 secondes, ça devrait être reset. C'est la première fois que j'arrive au bon moment. Après, je vais vérifier où on en est dans l'enregistrement parce que j'ai fait plusieurs petites missions. Je sais pas ce que ça représente. Ok, c'est parti. Donc, en vert, on a ça par exemple. Donc, non, c'est mieux. En vert, on a ça aussi. Non, rien de transcendantal pour l'instant, je pense. Ça, c'est quoi? Ouais, bof. J'aime pas trop les bonus. Bah, le reste, c'est du bleu, donc c'est pas très intéressant. Ah, mais j'avais pas vu, il y a plusieurs onglets là-dessus, dites donc. C'est quoi, ça? Des plans?
Champ de force, bâton. Eviscerator, mine télécommandée. Est-ce qu'il faut que j'achète ce truc? Ah, j'en sais rien. Ici, on n'a pas d'objet vert. Ah oui, donc ça, c'est le truc que j'avais reçu que je peux récupérer. Ah, il y a des bonus qu'on peut acheter aussi. Bon, pour l'instant, on va laisser filer. Ah, par contre, ça, le saut, là. Saut de pureté. Ouais, on va pas dépenser d'argent. Je pense qu'à ce stade-là, de toute façon, les objets, ça va, ça vient. À part si je trouve un truc qui me plaît vachement, je pense pas. Ok. Bon, je vais faire ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que je vais vérifier où j'en suis dans l'enregistrement pour voir si on continue ou pas tout de suite. Il a une de ses armes, lui. C'est quand même sympa. Hein. Alors, j'ai pas de points de compétence. Alors, j'ai pas... évidemment, ça a dû s'activer. J'ai pas fait attention si on voyait le debuff ou pas, quoi. Alors, ce que j'aimerais bien, c'est je pense que l'arche analytique, ça doit être une mâche à une main. Une hache à une main, pardon. Donc, ce serait peut-être sympa d'en avoir une et de tester ça par rapport à l'épée que je manipule aujourd'hui. Bon, je regarde où j'en suis dans cet épisode. Donc, soit tout de suite, soit rendez-vous au prochain.